Forever, c'est tout rien. J'adore, j'ai vu des récaps de Forever et des gens qui sont genre quel amour. Forever et moi, c'est qui est l'amour, mais on s'est quand même des fois un peu pris le bec. C'est... Écoutez, ça m'a fait rire parce qu'on était genre putain, vas-y, t'es trop mon pote. Et moi, j'étais putain, arrête. Ah non, mais le dernier soir, il y avait plus que Forever, sa copine et moi. Et le dernier soir, on se dit, on va encore se boire un verre, on n'a pas envie de se quitter, c'est trop cool. Et après, on a parlé politique du serveur. Et à un moment, c'est parti, c'était sérieux, genre. Il n'y avait plus de blagues, je vous jure. Merci Mia pour les subs à la chaîne. Genre, on était vraiment genre... Et au bout de 5 minutes, on est reparti en mode... Ah. Mais il y avait un moment, j'étais un peu genre... Attends, va falloir qu'on aille reboire un verre, parce qu'on va pas terminer là-dessus, mon coco. Vraiment. Non mais la pauvre à ce moment-là, la pauvre en vrai. Parce que vraiment on était chaud. Mais ça me prouve aussi à quel point je suis à l'aise avec Forever parce que le fait qu'on puisse se prendre le bec et se réconcilier dans l'heure, j'étais un peu genre c'est vraiment qu'on s'entend bien. Parce que je me verrais pas me prendre le bec avec quiconque d'autre actuellement. Oui. Non mais la pauvre par contre, la pauvre. Donc ouais, mais ça m'a fait rire, tout s'est trop bien passé, mais on a vraiment eu un petit moment de tension. Et j'étais genre, waouh, et en fait, j'étais genre, déjà, j'ai un moment de tension, j'étais genre, quel drôle de... à Paris, un Brésilien et une Suisse se prennent le bec, j'étais genre, la situation est si drôle.